الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ونعوذ بالله من نار جهنم أما بعد فإننا نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرامي تلسبتاتيخ الحمد لله رب العالمين gloire à Dieu Le Seigneur, le Créateur, celui le Maître de la vie ici-bas et la vie au-delà. Il a créé les êtres humains pour qu'on l'adore sur la terre. Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il y a très longtemps, on avait décidé avec les frères équipe technique, surtout le grand caméraman de son grand temps, le frère Djabaté Mogrio, comme je l'appelle, et puis le présentateur Doudou Cissé. Alors après les concertations et les consultations, on a arrêté l'idée maintenant de continuer avec vous, surtout de créer une émission islamique qui va se présenter chaque deux semaines et qui va porter le nom surtout la voix de l'islam. Pourquoi la voix de l'islam? Parce que le musulman a besoin chaque fois de se réfléchir la mémoire. Comme Dieu a dit dans le Coran, Fazakr fa inna zikra tanfa ul mu'minin. Mohammed, il faut toujours rappeler les croyants. Pourquoi? Parce que le rappel est bénéficiable pour les vrais croyants et les vrais fidèles. Ça veut dire que l'homme a besoin chaque fois du rappel. Et c'est pour cela, Alhamdulillah Rabbil Alamin, à travers cette émission, nous allons parler de beaucoup de choses, surtout les problèmes de la communauté, y compris l'éducation, le mariage, le divorce, la connexion avec Dieu lui-même. Je vais dire l'islam en général, parce que quand on parle de l'islam, l'islam c'est la vie, c'est la submission à Dieu. Alors l'islam aussi, c'est la civilisation. Pourquoi? Parce que
L'islam est basé sur des lois. Alors, une fois qu'on donne sa vie à Dieu, on est connecté à Dieu, tout devient facile. Alors, pour cela, chers frères et sœurs, alors comme c'est le commencement, nous allons commencer aujourd'hui, cette nuit-là. On va parler un peu des choses, les cinq piliers de l'islam. C'est vrai, les cinq piliers de l'islam, les marabouts et les prêcheurs ont toujours parlé de ça, mais ce que nous allons faire ce soir est différent de ce que les autres ont fait. Pourquoi? Parce que nous allons nous arrêter sur les cinq piliers pour donner un peu de détails pour que les gens comprennent pourquoi les cinq piliers. En pratiquant, en suivant ces piliers-là, alors, qu'est-ce qu'on gagne? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout le monde sait et tout le monde connaît Omar radiallahu anhu. C'est le deuxième calife de notre religion. C'est-à-dire après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers son Seigneur. Alors les gens qui ont pris la tête des choses, surtout les musulmans, la première personne, c'était Abu Bakr, radiallahu anhu, et le deuxième calife, c'était Omar, radiallahu anhu, qui s'est donné même le titre et le nom Amirul Mu'minin, qui veut dire le leader des croyants. Sinon, après le départ du prophète, on disait Khalifat Rasoul, le gouverneur, sinon le représentant du prophète, sinon le remplaçant du prophète. Omar a préféré Amirul Mu'minin. C'est dans son temps qu'on a commencé à appeler le leader des musulmans Amirul Mu'minin. Omar nous raconte ici qu'un jour, les compagnons, plus Omar lui-même, étaient avec le prophète, alayhi salatu wa salam. Et le prophète enseignait l'islam à ses disciples, à ses compagnons, radiallahu anhum. Et d'après ce que Omar nous dit, voilà un homme qui rentre, un étranger, mais on ne voit pas en lui les traces de voyage. Pas de poussière, parce que l'homme était habillé en blanc. Il était tellement propre, mais ce que nous on sait, c'est qu'il n'a pas de médine. C'est à partir de là qu'on a su qu'il était étranger. Alors, l'homme vient, il vient s'asseoir devant le prophète et il met son genou contre le genou du prophète et il lui dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je suis venu vous voir. Pardonnez, enseignez-moi l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? Et quand l'homme a dit ça, le prophète alayhi salatu wa salam a pris son temps et il lui a enseigné les cinq piliers de la religion musulmane qui est l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, premier article, Shahadat an la ilaha illallah. Alors, il faut témoigner qu'il n'y a autre divinité qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré. Et Muhammad alayhi salatu wa salam est le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'homme le dit, il a dit la vérité. Il lui donne encore le deuxième article qui dit, après l'attestation, après le témoignage, il lui dit, wa iqamis salat, performance de la prière. Il faut faire les cinq prières du jour. Et quand le prophète a dit ça, l'homme lui dit, sadaqta ya Rasulallah, vous avez dit vrai, ô messager d'Allah. Omar nous dit là, mais on était étonné. Il lui pose les questions, mais chaque fois que le prophète alayhi salatu wa salam répondait aux questions, il lui donnait la raison.
Et nous, on était dépassés, on était étonnés. Troisième article, qui est comme cela, ou état Issachar. Payer ses zakats. S'acquitter de sa zakat. C'est le troisième article. L'homme dit, c'est vrai, ya Rasulallah. Quatrième, observer le jeûne du Ramadan, Saum Ramadan. Cinquième, Hajjul Bayt liman istata ilayhi sabila. Visitez la Mecque pour le pèlerinage. Une fois que Dieu vous donne la capacité financière, la capacité morale et la capacité physique. Je dis ya Rasulallah Sadaq. Alors il lui demande encore Arkan al-Iman, les piliers de la foi. Mais ce soir, on ne va pas parler de la foi. Nous allons parler de l'islam. Et il lui demande aussi les piliers de l'Ihsan. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que l'homme qui était assis, il demande, et chaque fois que le prophète répondait aux questions, il lui donnait la raison. Il dit Sadaqta ya Rasulallah. C'est quand l'homme est sorti, Omar radiallahu anhu et les compagnons, le prophète alayhi salatu wassalam, maintenant leur demande. Il a dit, est-ce que vous savez qui était venu là pour me poser des questions? Les compagnons ont dit, non, ya Rasulallah. Il a dit, ça c'était Djibril, il est venu vous enseigner votre religion et c'est pour cela qu'il me donnait les raisons. Maintenant, pourquoi les cinq piliers? Pourquoi les cinq piliers? C'est très important. C'est facile de dire que ouais, l'islam est basé sur cinq piliers. C'est vrai. Shahadat Allah, ilaha illallah. Témoignage. Hein? Témoignage. Et puis attestation, c'est vrai. Il faut attester que Dieu est là. Mais pourquoi? Et Mohammed est le messager de Dieu. Pourquoi la prière? Pourquoi payer sa zakat? S'acquitter de sa zakat? Mais pourquoi aussi et observer, tu vois, le jeûne du Ramadan, tout ça, il y a des causes. Il y a des causes. Maintenant, premier article. Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, c'est très important et c'est facile de le dire. Quand on dit je témoigne et j'atteste qu'il y a d'autres divinités qu'Allah, il mérite d'être adoré. On crée là l'atmosphère entre la personne, c'est-à-dire entre le maître et l'esclave, entre le créateur et la créature. Comment? C'est quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, automatiquement on dit à Dieu que tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce que je possède, hey, ton amour, l'amour que j'ai pour vous, Allah subhanahu wa ta'ala, est plus que toute chose. Je vous aime plus que tout ce que j'ai. Mes enfants, maintenant pour approuver cela. Voilà. Et maintenant, quand tu dis à Dieu que je vous aime, je t'aime mon Seigneur, tu m'as créé, je ne sais même pas comment vous remercier. Continuons, on dit, j'atteste aussi que Mohammed est le messager de Dieu. Là, c'est complètement. Maintenant, pour prouver cet amour-là, on dit à Dieu qu'on l'aime. Et puis on dit, après Dieu, on aime le prophète aussi, que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Lui, il était lumière, il était grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, grand cadeau pour cette humanité. Mais comment il faut prouver? Dieu nous dit dans le Coran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Oh Muhammad, il faut leur dire, si réellement vous aimez Allah, vous voulez être connecté à Allah, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez donc Muhammad alayhi salatu wa salam. À partir de là, parce que quand on dit l'amour, quand tu dis à une personne que je t'aime, tu dis par exemple, tu regardes ta femme, tu te réveilles le matin,
Ta femme, elle va à la cuisine, elle veut préparer, par exemple, le petit déjeuner. Tu la regardes en face et dis, hey, chérie, tu sais pas combien de fois je t'aime. Mais comment elle va réagir? La réaction de ta femme, je t'aime aussi, moi, chérie. C'est ça, non? Maintenant, quand tu dis à Dieu que je t'aime, mais comment Dieu aussi, il va répondre en te disant que moi aussi, je t'aime? Il faut maintenant des choses. Comment ça se passe? On te dit maintenant de faire la prière. La prière comment? Pour sentir l'amour de Dieu, parce qu'il a dit aux prophètes, il faut leur dire, si réellement ils aiment Allah, qu'ils n'ont qu'à te suivre. En retour, Allah subhanahu wa ta'ala va les aimer. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah à aimer quelqu'un, comment on va sentir l'amour d'Allah en soi? Maintenant, c'est la prière. Wa iqam salah. Maintenant, je suis là. Dieu, comme je t'aime. Je ne sais pas comment vous contacter. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant te dit, pour me parler, pour communiquer avec moi, le numéro que je te donne, c'est la prière. Parce que quand ta femme sort le matin, elle est partie au travail. Maintenant, tu as la nostalgie de ta femme. Tu vas attendre sa voix. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone, on compose son numéro. Allô, chérie? Ah, bon, tu m'as juste appelé pour attendre ma voix. Eh, merci, moi aussi, je t'aime. Dieu maintenant te dit, composez-moi mon numéro, là, c'est facile. Quand tu dis Allahu Akbar, les cieux s'ouvrent. Les portes de, tu vois, les portes des cieux s'ouvrent. Dieu maintenant te regarde. Il dit, ouais, maintenant tu es rentré, moi je t'écoute. Vas-y. Quand tu dis Allahu Akbar, Dieu même prend le temps, il dit aux anges, regardez. Le jour que j'ai décidé de créer ces humains-là, vous avez dit quoi? Eh Dieu, quand tu vas les créer là, ils vont verser le sang humain. Ils vont faire du mal sur la terre. Mais regarde. Il a arrêté maintenant devant moi, il veut communiquer avec moi. C'est moi seul, il est en train d'adorer. Et maintenant, les anges regardent. Toi, tu dis, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu dis, gloire à Dieu. Hein? Rabbil Alamin. C'est lui, le maître des Al-Alamin, qui veut dire des créations, les hommes, les djinns et les anges. Nous tous, Al-Alamin. Nous sommes inclus dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, oh, il dit aux anges, voilà. Voilà mon esclave en train de me glorifier. Donc Dieu communique avec toi automatiquement. Tu n'entends pas toi sa voix, mais lui il t'entend et il te voit. Voyez-vous? Donc Dieu n'a pas fait ça. Wadarima, il y a des raisons. Et c'est pour cela qu'on demande aux prêcheurs de donner les raisons aux gens. Parce que quand tu sais, tu connais, tu en sais quelque chose. Toi, tu veux faire quelque chose, mais tu connais même pas l'intérêt et même le profit de ce que tu vas faire. Tu vas entreprendre. Ça ne te donne pas le courage. Voyez-vous? Quand tu dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur des Al-Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le très miséricordieux. Le plus miséricordieux. Dieu maintenant, il dit aux anges, voilà mon esclave qui est en train de me glorifier. Malik Yomedine, c'est lui le propriétaire de la vie ici, de la vie au-delà, de la vie au-delà. Oui. Malik Yomedine, c'est lui le patron du jour de résurrection. Il est le patron. Ça n'appartient que lui. Et voyez-vous, c'est pour cela Ibrahim alayhi salam, quand il a échappé maintenant du feu, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, Inni zahibun ila Rabbi sayahdin. Il a dit, je m'en vais vers mon Seigneur qui va me guider. C'est Dieu seul qui peut guider. C'est ce que je vais dire aux gens. Quand tu vois ton frère qui est en train de poser des actes condamnés, toi, faut pas le condamner, il faut l'aider. Le prophète nous dit qu'il a été attaqué par le Satan.
Donc c'est Satan qui contrôle sa vie là. C'est Satan qui est rentré dans son sang. Toi, au lieu de le condamner, il faut l'aider, tu lui fais sortir. Tu le sauves. Une fois qu'il a sauvé, tu peux lui maintenant rédiger des conseils. Mon frère, toi tu es musulman, mais ce n'est pas devant la masse, ce n'est pas devant la congrégation, mais c'est entre toi et lui. C'est comme ça qu'on doit conseiller quelqu'un. Mais devant les gens, mais toi, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais la personne, c'est-à-dire la nature humaine rejette cela. La nature humaine rejette ça. Voyez-vous, il faut respecter les gens. Dieu nous dit, voilà, c'est lui qui a honoré l'homme. Donc, quand tu parles même à ton enfant, il faut lui parler avec respect. Tu parles à ta fille, tu communiques avec lui, avec elle, dans le respect et la dignité. Et quand tu fais cela, je te dis, elle va te respecter, sinon il va te respecter. Aussi ta femme. Voyez-vous? Donc, Ibrahim même dit, il est parti plus loin que ça. Il a dit, Inna salati, mes prières, wa nuski, et mes adorations, et même ma mort et ma vie, lillahi rabbil alamin, n'appartiennent qu'à Allah. Donc, l'islam veut dire soumission. Tu donnes sa vie à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, en priant, on communique avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi, Allah, que nous adorons. C'est seulement à toi qu'on demande l'aide. C'est-à-dire, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est de toi. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Dis ainsi au prophète. Il faut leur dire, ya Rasulallah, nul ne peut te toucher. Aucun malheur peut te toucher. Sauf ce que Dieu a prescrit sur l'être humain. Donc, ce que les gens disent, tu laisses ça tomber. C'est Dieu, le destin qui compte. Voyez-vous? Donc, et quand tu dis cela, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maintenant, c'est toi qui. Parce que quand on dit la prière, as-salat en arabe veut dire prière, ça veut dire doua. On est en train de communiquer et nous sommes en train d'appeler Allah. Parce que doua en arabe, ça veut dire appeler. Da'a, il a appelé. Donc, et quand on dit salat, la salat, prière, veut dire appeler, composer avec la personne. Hein? Ou bien demander à la personne. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et à toi seul nous demander l'aide. Dieu ne peut m'aider sur la terre si ce n'est pas toi, Allah. Les gens t'aident, mais Allah ne veut pas t'aider. On te donne millions aujourd'hui, mais sans l'accord de Dieu, on te donne ça aujourd'hui, tu vas perdre ça demain. Voyez-vous? Mais quand Dieu te donne, nul ne peut t'arracher. Voyez-vous? Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin de la droiture. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Hein? Le chemin dont. Le chemin de ces dons, tu les as honorés avec ta grâce. Hein? Non, le chemin de ces dons, tu es fâché avec eux. Tu veux dire les chrétiens. D'après certaines explications du Coran, voilà, d'alim, et les égarés. C'est pas le chemin aussi des égarés. Amen. Tu vois, Dieu dit quoi après tout ça? Wala abdi masala. Tout ce que tu as demandé, je t'ai offert. Eh Allah. Mais toi, tu es dans la prière, tu ne sais pas ça. Mais quand tu sors, les autres qui sont à côté de toi, ils voient ça sur le visage. Parce que la prière, c'est une lumière. Mais pourquoi la prière encore? Inna salata tanhanil fahsha wal munkar. En faisant la prière, je sais que nul n'est parfait. Wallahi, mon frère. Nul n'est parfait. Tout ce qu'on fait sur la terre, tu vas beau faire, tu es parfait. Tu n'es pas parfait. On est imparfait. Et c'est pour cela, je suis étonné de ceux qui condamnent. Tu es en train de condamner ton frère pour des erreurs qu'il a posées. Et toi, regarde-toi d'abord dans le miroir.
pose-toi la question, est-ce que moi-même je suis parfait? Je suis au complet? Si tu arrives à répondre à cette question, tu vas arrêter de critiquer ou parler des autres. Mais avec la prière, Dieu nous dit, Inna salatatan hanil fasha wal munkar. Comme nul est parfait, la prière est là pour t'empêcher à faire le munkar. Le munkar, c'est quoi? Parce qu'il y a des péchés. Il y a trois qualités de péchés. Petit et grand. Les grands péchés, c'est quoi? Parce que les petits, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne sur place. Mais les grands péchés. Ah. Par exemple, quand tu voles, c'est un grand péché. Maintenant, il faut couper ta main. Voyez-vous? Voilà. Quand tu couches avec la femme d'autrui, c'est quoi? Si tu n'es pas marié, on doit te chicoter 100 fois. Mais si tu es marié, on doit te lapider parce que Dieu arrache ton âme. C'est un grand péché. Quand tu massures quelqu'un, ah, lui, il a fait ça alors que tu n'as pas de témoin. Même si c'est vrai que tu n'as pas de témoin, on doit te taper aussi 80 fois. Voyez-vous, c'est le grand péché. Donc, la prière est là pour t'empêcher de commettre ces péchés-là. En faisant la prière, une fois que la lumière de la prière prend ton cœur là, c'est fini. On est saint et sauf. On arrête d'aller à la danse. On arrête de faire ceci. Cela, c'est pas toi-même. Souvent, l'homme discute le corps et l'âme de la personne. Tu vois, le cerveau, le corps et le cerveau souvent discutent. Je vais pas. Je vais. Non, je vais rester. Est-ce que, pourquoi aller? Bon, tu vois. C'est comme si le Satan est le corps qui te pousse d'aller. Le cerveau te dit non. Ah, mon frère, un grand musulman comme toi, un bon musulman comme toi, tu vas aller faire quoi là-bas, il faut rester. Il faut lire le Coran, il faut faire ses yeux souvent, on se dit, ah, moi je vais rester. Si c'est ça la même, moi je vais rester. Voyez-vous. Donc, c'est la force et la lumière de la prière qui fait tout ça. Tu sais, on nous dit qu'un monsieur est tombé amoureux de la petite femme de son imam. Lui, il n'a pas trouvé femme en ville. C'est la femme d'imam, la petite femme d'imam qu'il voit. Et il va lui demander. Il va demander à la femme de sortir avec lui. Et chaque fois qu'il voyait la femme, il dit, ah, ma sœur, moi je veux ma réponse. C'est toi, moi je veux. Il dit, mais en ville là, moi je suis la femme d'imam. Il n'y a pas Alma Moussokota là. C'est toi, je vais sortir avec toi. La femme, elle était tellement fatiguée. Elle dit au monsieur, elle est partie dire à son mari, qui est l'imam de la ville. C'est pour vous dire l'horreur que la prière joue, quoi, dans la vie de l'homme. Voyez-vous. Tout ça, ce sont des causes, ce sont des raisons valables. La femme dit à son mari que vraiment le jeûne m'a fatigué. Je ne sais même pas que faire. Alors, voilà. L'homme dit à sa femme, qui est l'imam, il agit là en sage. L'imam a mis sa sagesse en jeu. Il dit à la femme, désormais si le jeune te demande encore, il faut lui dire de faire 40 fajr derrière moi qui suis ton mari. Pas Serifana, Zohr. Pas Zohr, pas Asr, pas Maghrib, pas Isha, mais seulement Fajr. Pourquoi Fajr? Parce que tout le monde sait que Fajr, là, c'est le matin. On prie Fajr au moment que le sommeil devient plus doux. Mais quelqu'un qui va se réveiller, aller à la mosquée pour Salat al-Fajr, tu vois comment c'est important. L'imam dit à sa femme, il faut lui dire de seulement faire 40 Fajr derrière moi. Un jour, la femme partait au marché. Il dit à la femme, moi je t'attends, c'est quoi même chérie, toi-même là. Il faut arrêter tes petits là, tu vois, tes petits malins là, moi je n'aime pas ça. C'est quoi même? Faut pas jouer avec moi là. Je suis au sérieux avec toi et puis regarde.
Tu penses que je m'amuse ou quoi? La femme lui dit, donc, je vais accepter en condition que tu pries. Tu fais 40 fajr derrière mon mari qui est l'imam. Si tu arrives à assumer cette responsabilité, la tâche, je serai ton amante. Il dit, ah, mais ça, c'est très, très facile, ça. Il dit, ben, dès demain, je commence. La femme aussi a dit, donc quelqu'un va te contrôler parce que j'ai des amis aussi à la mosquée. J'ai des gens, j'ai mes gars sûrs à la mosquée, ils vont te contrôler. Le gars, il a commencé les 40 fajr. Les 40 jours ont fini. Les 40 jours ont fini, ont passé. Mais l'homme n'a pas arrêté d'aller à la mosquée. C'est pas seulement fajr, zuhr, asr, maghrib, isha. Il faisait toutes les prières à la mosquée. L'imam voyait le monsieur et l'imam a dit, ah, mon plan a marché. Ça ne marchait pas si le gars, après les 40 jours, il venait plus à la mosquée. C'est que ça n'a pas marché. Mais s'il est toujours là, c'est que ça a marché. Il dit à sa femme, va lui demander. Un jour après Salat al-Isha, la femme est venue taper sur la porte du monsieur. Il dit, c'est qui? Elle dit, ah, c'est la femme d'imam. Eh, la maman des musulmans. Maman, tu es venue faire quoi là-là? Elle dit, mon cher, toi, tu es un homme bien des conditions qu'on a posées là. Toi, tu as fait les 40 prières. Donc, vraiment, moi aussi, dans ma vie, là, je sors avec les hommes qui sont sérieux. Donc, je suis venu, toi aussi, j'ai commencé à t'aimer. Il dit à la femme, si je sors, te trouver devant ma porte, ce que tu veux là, je vais te donner ça. Attends même là, je vais aller voir ton mari. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Tu vas venir gâter l'islam de l'homme matin comme ça là. Et tu vas venir gâter mon islam comme ça, c'est quoi même? Voyez-vous, c'est ça. Ça, c'était la force et la lumière de la prière. Donc l'homme, il faut prier. Encore, pourquoi la prière? Ici, par exemple, quand tu appliques pour citizenship ou la green card, qu'est-ce qui se passe? L'officier qui va t'interviewer, qui prend ton dossier, première des choses, il voit ton dossier, il regarde les dossiers plus importants. Taxe, taxe. S'il voit qu'il n'y a pas de taxe ou bien c'est manqué là, il te dit quoi? Il te dit, va me trouver encore, va m'envoyer le document. Donc, une fois que tu n'en vas pas ça là, et s'il te donne le papier, il te donne pas. Mais la prière, c'est ça. Le jour du Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va regarder la prière. Quand la prière est complète, c'est fini. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Donc, comme c'est la première émission, on va prendre maintenant troisième plié, qui est état zakat. Zakat. Zakat, pourquoi zakat? Tu sais, mes frères et sœurs, pour payer sa zakat, là, c'est très important. La zakat qui est là n'est pas pour l'imam. Beaucoup d'imams, yom al-qiyama, ils ont problème avec le Seigneur. Quand on te donne la zakat même dans la charia, selon la charia, c'est pas pour la mosquée. Mais les musulmans qui sont dans la communauté, qui n'ont pas de travail, leur travail est gâté, alors ils ont la famille à supporter, soit ici, sinon en Afrique. La zakat, c'est pour cela. Voyez-vous? Pourquoi on donne la zakat à l'imam? Parce que c'est lui qui connaît les membres de la communauté. Ceux qui méritent la zakat, c'est-à-dire l'imam leur donne. De la façon que nous, on donne nos zakat ici, c'est pas comme ça. Il faut qu'on arrête ça. Pour aider quelqu'un, pourquoi envoyer une délégation? Une délégation. La chose d'abord, c'est pour lui. La zakat, là, c'est pour lui. Il est malade, c'est pour cela qu'on doit lui donner de la zakat. Et il n'a pas de travail, c'est pour cela qu'on doit lui donner des zakat. Mais pour aller lui remettre l'enveloppe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut envoyer une délégation. Voilà ce que la communauté a prévu pour toi. Non. Il faut respecter l'homme. Il faut l'honorer. La dignité aussi. Hein? La dignité aussi. On met ce qu'il mérite dans une enveloppe.
Demain, on va voir quelqu'un, taper sur sa porte, on lui donne, on lui dit, il faut prier pour nous, et puis il sort. Il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas montée, il n'y a pas descente. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut aider les gens. Pourquoi la zakat? Comme la nature humaine, comme j'ai dit, c'est le respect, la dignité et l'honneur. Moi là, même si j'ai pas de boulot, je ne me vois pas en train de taper sur des portes. Ah, vraiment, aujourd'hui là, il n'y a rien chez moi à manger, pardon, il faut m'aider. Non seulement ils vont pas te donner, et ils vont aller aussi dans leur grain là. Quand ils sont assis en train de parler entre eux là, le gars va dire, ah, il n'a pas d'équipe, il est venu taper sur ma porte, non? Il m'a demandé de l'aider. Non seulement tu ne l'as pas aidé, mais voilà comment tu parles. C'est pour cela que Dieu a prescrit la zakat. La zakat, on prend, on donne aux musulmans qui n'ont rien, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail. Mais pourquoi tout ça? Ça renforce les liens et les relations entre les membres de la communauté. Mon frère, c'est ça, non? J'ai pris, j'ai donné, mais pas avec la délégation. On est parti, on a envoyé, l'imam a envoyé quelqu'un. Mon frère, prends ça là, il faut prier pour nous. Dieu est grand. On est là, Inch'Allah Ta'ala, on pense à toi, on sait que tu n'as pas de boulot, mais on va toujours continuer à faire de nos mieux. Mais est-ce que la personne là, chaque fois que la communauté a besoin de la personne, la personne est là, non? Elle va toujours répondre oui. Et si j'ai menti, c'est comme ça la zakat. Non seulement ça renforce les liens et les relations entre les membres de la communauté, ça amène aussi l'amour. L'amour entre nous. Donc, la zakat, c'est trop comme c'est pour la première fois, c'est la première émission. Alors, je serai bref. Sinon, il y a tellement de choses à dire sur la zakat aussi. Mais, en grosso modo, c'est quoi? On prend, on donne à la personne. Désormais, quand la communauté a besoin de la personne est là, non? Elle va toujours répondre, oui, je suis à votre disposition. Si c'est l'amour, l'amour est là. Maintenant, on dit, fasting. Observez le jeûne du Ramadan. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'islam, il y a tout. L'islam, c'est la civilisation. La religion elle-même, c'est la civilisation au fait. Voyez-vous? Pourquoi? Quand on jeûne, automatiquement, on se dit quoi? Ah! Moi, toute la journée d'aujourd'hui, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Mais il y a des gens qui sont comme ça durant toute l'année. Ils ne trouvent rien à manger. Ah, donc c'est ça alors. Non seulement on est connecté à Dieu, le corps est purifié. Non seulement que le corps est purifié, mais on est connecté à Dieu. Ça fait que on fait face aux frères qui ne trouvent pas à manger et on leur vient en aide. C'est pas ça? Donc, le jeûne aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, soumoutasihu. Jeûner, si vous voulez la santé, pour trouver la santé, il faut jeûner. Mais c'est lui le docteur des docteurs. Bien vrai qu'il n'a pas étudié dans une fac ou bien à l'université. Il a dit soumoutasihu. Mais pourquoi? Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, souvent le docteur te dit quoi? Mon frère, il faut faire diet. Il faut laisser ça, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Donc, voilà ce que le prophète a dit. Automatiquement, quand on est bon musulman, on dit, ah, pourtant le prophète a dit ça bien avant. Soumou, tassiho. Parce que le jeûne, lui-même d'abord, est bon pour le corps. Ça fait qu'on arrive à se contrôler, surtout les désirs sexuels. On sort du cadre animal. On met sa vie sur balance. Il y a tout ça. Non seulement, on ressent le problème de ceux qui ne mangent pas durant toute l'année, mais aussi, la santé. Et ça vous sera le prophète même a dit, Yama Ashra Shabab, oh la jeunesse, mariez-vous,
Mais celui qui n'a pas la capacité morale, la capacité physique et la capacité financière de se marier, la solution c'est quoi? Il faut jeûner. Car quand on jeûne, tu arrives à contrôler ton désir sexuel. Tu mets ta vie sur balance. On sort du cadre animal, on devient automatiquement un homme parfait, connecté à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, c'est ça. Donc, quand on veut parler du jeûne, avec tout ce que le jeûne fait, Anteboyabi, Vladana. Et pour finir, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans une situation authentique, que tout, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète que tout ce que l'être humain fait, les actes, hein, les actes que l'être humain pose, que l'être humain fait, c'est pour lui, excepte le jeûne. Le jeûne, pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pour moi qu'il jeûne et c'est moi qui le récompense. Donc, la récompense du jeûne, là, le jour du jugement dernier, Inch'Allah, il y a une porte qu'on appelle Rayan. C'est à travers cette porte que ceux qui ont jeûné qui vont rentrer dans le paradis. Voyez-vous donc ces choses. Maintenant, quatrième pilier, Al-Hajj. Il y a le pèlerinage. Alors, pourquoi le pèlerinage? C'est d'abord se purifier, se repentir, parce que quand on va là-bas, c'est pour se faire pardonner ses péchés. Automatiquement, en faisant le tour de la Kaaba, en partant à Arafat, en venant à Muzdalifa, à Mina. Donc, pourquoi tout ça? Pour la purification du corps et son âme. Le corps est purifié, l'âme est purifiée. Mais plus important que tout ça, si les musulmans vont à la Mecque, qu'est-ce qu'on voit? Toutes les nations sont là. Tous les pays sont là. Toutes les couleurs sont là. Toutes les langues sont parlées à la Mecque, surtout autour de la Kaaba, surtout à Arafat. Tout le monde demande à Dieu dans sa langue maternelle, le français en français, hein, le dida en dida, le djula en djula, le wolof en wolof, voyez-vous l'arabe, hein, en arabe, c'est comme ça. Tout le monde est là, même pagne, un pagne blanc, petit pagne attaché. Et puis, petit pagne autour du cou. Autour du cou. Voyez-vous comment ça fait? Automatiquement, ça te fait rappeler le jour du jugement dernier. Que, tu vois, tout le monde est là, en blanc. C'est comme si on était résisté, quoi. Voyez-vous? Tout le monde en blanc. Non seulement c'est en train de pleurer devant Allah. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Allahumma ighfirli. Eh, Allah. Yafanema ko ya Rabbi. Né million de biola, Canadiens. Eh Allah, ne durmo kafare. Allah, ni kene. Allah, wallahi ni yene ka hijimine. Mba ke te kai. Tout le monde dans sa langue. Voyez-vous? Donc, oui, doye. Encore, ambe mune soro hijila. Maintenant, en voyant toutes les nationalités, toutes les couleurs et tous les pays, on voit que Dieu a dit dans le Coran, innama al mu'minuna ikhwa. Les musulmans ne sont que des frères et sœurs. C'est à la Mecque, c'est à Arafat qu'on voit ça. Tout le monde ensemble. Voyez-vous? Ça nous donne le vrai sens de la communauté. L'importance de la communauté. Donc, Dieu n'a rien fait pour rien. Donc, comme on s'approche maintenant à chose. Alors, mais le Hajj aussi, c'est basé sur la capacité morale, comme j'ai dit, capacité physique. Et capacité financière, surtout. Alors, alhamdulillah, amese ka minfo, mogo ye komi bete tuka bukame, mena mitu luru dron taka ban, ankumana femika, paske ni barani, tiano anya gwadendo, ansogura lendo. Men ni ye da awade, ni ma baraji mi soro ni ibdi be baraji ba de soro nasara mi ba la ole baraji ka silamaya fo mugo ye parce que silamaya fo chugo kacha yae ni mbe ya dode ali ni prophète sallallahu alaihi wasallam atume ya bi abesi ki kamera nyefe aere besi ki radio la fana ka silamaya fo jinye ba me prophète tume jinye beke silamaya wallahi bet mba fo ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah par la force
de média. Fanga mbe nina caméra là. Fanga mbe DVD là. Fanga mbe vidéo là. Fanga mira be radio là bi. Parce que aka dunia kumbla nyoma. Ma minu ba foko haramu. Kamera beke haramu ye. Fulumu beke haramu ye. Nene mwa mika televizyon ni. Televizyon ye machini de. Machini mindo. Ele mana fe mindo adako na bole fo. Nene ka haramu ta ka doa adako na jone ka ke haramu. Ere le ki kita televizyon ke haramu ye. Mwa mi DVD be bolo. Ete dobre jwa la fos la maya kaseti. Eta televizyon bese ka ke haramu ye wa. Eta televizyon te ke haramu ye. Meni ma mi ya ke julango tu futu fley. Muso langulon ko lugu bila la evita nuso jani ka plezir soro ole la abeke lele bolo, elele ki itake haramu ye. Eni mwgo mika silamaya takase tu flala, ubiya mwgo misi ka emisyon ni fle, ote haramu ye. Pasa ambe feka ankumana silamaya nongon duru deka nafami bala. Ya yewa. Adama den, paske ni ya meko silamaya nongon duru, adila mako dole koson. Anyo le fosisa jibrila nana ala kera soro, ani sahaba usigile do umaru debeka kumani fwanye, aya kemiru kundoro ala kera kemiru la umaru yere ko che do la madina kate gafani mimba la gwelen do akasani ali ita don ka foko ni bola voyajil la anana kana kemiru kamangu akemiru noro ala kera kemiru la ka nyene nga ko ala kera mba fe ka salama ya fonye ala kera ko ama salama ya sigila nongon duru deka an nongon folo jumeye ka sere ala jo ka foko tikisite fo ala a ni donko kuma fo ida kono ka fo ne sera la jo ka fo dusu fana la ka fo masasite fo ala mini bato kaka ay waye donita ka dai ku sale iji ja saibe doni min talani a finji gi fana ka ka koro parce doni buriman bado mogo le be sa koro ala nyasara nyane ala kanu be mogo mina ute ne mana seria ola do shisa iya yara la utala la ala e kadine ka te be fembe ka jinya la tigenma ala ne bi fe ka te fem beka ne mogo dungui muso mao awulla so ma ba fe ka draka to biye e kwa ma e ko dogo ki ka dinza ayere ba fo e ne re fano be fe ngolo ko so ne be ka soko no ya me on ba lo sisa chuko di kwala ban fe we ni yo fo sisa ka ba ka seria la lo ko muhammadu yala ka chide iya yara fana ala la ka fo ala fana ko fe fe ngore man di ye ka te muhammadu ka muhammadu min chila ka ke yilenye kana ambo dibila sisa sa mumbo yira ala ko qur'ana ko no muhammad afu nyene ko na obende ala fu na oba fe ne ala ka ke au fe ala ka di au ye ne re fa ka ke au fe de au be muneke au ka tu muhammad ko be ka au fe ote sisa sa anko ala e ka dawn ye ka te fe be ka ko mi ibrahim ko chugo mi ala ne ka seli nga bato nga jien fe be nga nafulo nga nyene maya nga saya ni be e ala taala tai nyene be dele ma ibrahim ya yarale ko ala ka dai ko jugo dele mo mi ka shahada ta sisa yo le fo ala ka dine ni fembe bon sisa sa ala fana be na yire la sa ko me kote e fana ka dine ambo lo mo le fe sa seri be na ni ko sa ko allahu akbar e ngo ala ka numero masane ni ko ki ba fe kale qur'ana ta ka kala sa abe sin ki jabi te ki tu ka qur'ana kala na ni re fana ba fe ka baruke na le ei ite sinji da sai kan mafla selina ala ka barwa Sene kwa Allahu Akbar abe wasone aba fo meleka o tungo kone ni nugu danku be ne soso e o be ne kota e ka jole u jole fle u fle ne ta u dole no ha ku tle nyoma ma ka tugo mugo kile ko mugo kile ne be ka sili nu ye o yoro fe sili o ye connection e o ye communication ine Allahu Taala de che parce ibe sili mina ala bi jabi ne mana fo ko alhamdulillah rabbil alamin ala ba fo meleka o mane ne ka joni fle ka ntando ha arrahman arrahim dunya nema ni tigi ani lahara nema ba tigi malik yawmiddin ala ibn foga ta du kiyama marabaga tigi worete mo tigi kiyama tigi kiyama tigi ne ala ne ka mole ma donc on a nyoko na udo e mano fo sisa kuma labana abe fo wale abdi masala ko le ko so umaro na le tume serike atume fatia kalam dondoni sahaba uya nyine nga mugo so ba ke dondoni akot parce que ala be ne jabi minkela ma fe ka tanta ka dramuta ne ala uta ala ka jabi oya oye seri plasi na fo chama be sela be wati ko son wati kuron ko son no bola isa ambe kuma sunga sunye jaga jume
Jaga dila on maleka di desabagato lema communauté la parce que silama ala ni jere bonya ni horonya fe ate son katiki joka bolo di usige mogo koro konson silama ya gosa kumi obo chokola ale mami mi ele be di communauté be do mi be barala mi te barala banabagato ibu do jaga beta de ma note jaga te misri tay ni tige tabale masora la sa be soro ka ke misri tay ni desabagato masoro ni barabagato masoro ambe soro ga di misri ma parce que foka il faut faire la part des choses jaka te misri tay adila le ko ga di desabagato ma on fana beta desabagato son chugo mena ke chugo toy ka chokoro ba oni mo ko fara nyonga aho ka envelope de ata ni ndati gima atikete o femi meta kala da mani fanya blaku na ka fo atado ale le kakanai on be bunya jume de dauka ibeta drone ka do aiwa amba do ambe nyoko fe ambe bara la ñoko fe ni ambe ga communauté nem e ka nem ne ka du ka ñe ji ji nga ile tala no manake woti gi be ro me nani communauté mo ko bebe jaay ni mo na la fana ka se kale ni problème ka mo ko reso ale te na ba afana be jeme ke afana ba joro ke aba se ko ke donc jaga ere fana sababu ye kan kanu du ñoko na imaye bebi ta se ko ni ke donc jaga ere fana kuma ka cha mais comme nous on va la odole ni sila ma binu ku yira sutra te son kata dalil ke parce que mana mo go dalil bi che ten son ne mo domine ga kunu de anti son awa meta ke gere na kuma e che ni ma foka bisi he nga na na ne da koko bi ko ne ka to son da ma he he ne le ese ne da nga de ne be nta war ta ka dalil ma wa ya ala ku sa ko bokola aye fe ni ta ay ta na da ma ni bonya ni karama e akana ke delegation ku no fala gela ade talo abunjala babe nyugala eh ni jama ba ne na hado ka ne ga sofa envelope ni fili envelope kle no fewa eh ala ne ga segele yirala nate ne ga kole ne ga baranda de yirala nate donc ko bwala donc ala kan deme ola sa sungalo fanate dobre abe ala ne mugo chenya ala ne mugo chenya ni ko fe ka bwala ya rabbi ya allah ka ne ala chenya ala ko ke abe farso ko fana keneya abe dusukun fana keneya abe dusukun ko ka farsoko ko non seulement ça pourquoi mo minou be communauté ko no te domini restaurant tele ko no olu e hakili be bla olu la ibo olu ko jeme o be sun na fan doy na la sona ma ko me emission damina e biye na la sona me na kuma u ka dondoni fo mo ko ka famia parce que kalan ko yo le ni wajuli restaurant de en ba fe ka communauté mo ko kala salam ya la parce que Doni mbeli ya lekerembe ka salama ya fakabi. Ango lefango heji kuma laban. Heji te dobra yon bade un. Heji ye miye. Kataka kati jurumu kafari. Kadusuku sanya. Kati nyala ala kakaba kukuka. Kata profeti fo. Obeba ala. Ma ulu shite jago yae. Ulu shite heji barame niyo ke ukafsa kosume. Kote. Me nafan jumane warebe heji la. Iba ye jaga iba ye ja siyasi tate silamaye kafo silamaye arabu talwa faragwe talwa farafin talwa neramugu yere talwa utede ibe tasoro at arafa jolumba doni bebe ka alau taala dali ikakana pakistane ba dali akakana bangladeshi ba dali akakana endu yere ba dali akakana nando la afrika yere kono avec ses 50 etats ah ibe tasoro yoruba che ba ka yoruba kanfola Ashanti baka ashanti kafola. Ausa baka ausa kafola. Lajineka baka maneka kafola. Ivorian baka jura kafola. Malian baka bamana kafola. Yae. Iba esa jaa nishita te silama yae. Jagafana ka irana kafoku silama uka faranyonga ni kule daka diana. Bebe son, nimbe nyongonye ali. Hepoka ta heji bankele te ifu itei. Badinya nifeon. Ala kule fo silama uye badinune. Aye koto nyongontala. Mumino ye badone ay koto nyontala donc ko bo chole la na kelate tikite soro selama ya la parce que c'est vrai qu'on a jigila arabu ka na arabu tate de yaye olu yrebeta ka chi ala nyefe et puis fana ba bebe ni fani gwere ba foko mo go hula aywa kiyama kena de sira olo go so anga chokoro ba nyuma ndo yere ko ko kiyama kena be sige arafa de yaye mune bala parce que bena be fani gwere che muso ane hakli bala na ka heji laban ane se guture ka heji ke nyoko fe se guture na na anfo wallahi fani gwari me bene kana wole ba kana
fani gweni misiri nbe nere la, ule siri nbe se kuturi la, ne yonjo ka chie ni fle, ngok chie mi be pere araju la fo araju be be, ule be niyeta, ya ala ta di chayin. Fani gweni siri nba la, fani gweni siri nbe nere la, ne mafizale, ali mafizale, fo konona, konona yijume oye di mania, iya la ka koye, fama be ule du, fangadan fana bo ule du, wartiki bo ule du, chejan bo ule fani ni fana siri, Fangadan fana bole fanini fana siri. Muso bole do. Adrapu ni do kadreke ni laka. Ate kuila niye fugula biri kuna kote le kafarika heji chema. Yae. Donke kiyira di alama ulasa. Waye niye fugula ki kunziki tike kasoro heji maba. Heji chema. Me uluku bebe na kofe. Nimbele ka iraka foja ko silamaya ere discipline ne. Anu ka indiscipline do ala minga ole ka ansekebi. Siske je dize ka kuma laba mena kuma laba ni jume ne. Je causais avec un frère, il y a un frère sénégalais. Il m'a dit que, imam, que l'islam est faible aujourd'hui. Nga mangono, l'islam n'est pas faible. Mais c'est les musulmans qui sont faibles. Les musulmans d'aujourd'hui. Sinon, l'islam reste plus fort. Comme Agnon Makefolo. Pourquoi? S'il y a les mosquées aujourd'hui, à travers les États-Unis, partout où tu passes aujourd'hui, il y a les mosquées. Siri Bekerobe, même dans les aéroports, pourquoi? C'est parce que l'islam est fort. Dieu a dit, en nous le bas, quoi fait? Je suis derrière l'islam. Nul ne peut empêcher les gens à pratiquer. Hein? Des Français, mais on est folomogot, les musulmans d'avant, et ils étaient plus forts que nous. Nous sommes plus faibles. C'est la faiblesse aujourd'hui des musulmans qui jouent sur l'islam. Sinon, la religion elle-même, là, elle est forte. Elle va rester forte. Parce que dans nous, il y a des gens qui vont venir, qui vont mieux faire que nous. Alors voilà, comme Côte d'Aminado, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, on va s'arrêter là en disant, Allahumma Rabbana taqabbal minna, innaka anta tawwab rahim, wa tub alayna, Allahumma Rabbana taqabbal minna, innaka anta samiul alim, wa tub alayna ya maulana, innaka anta tawwab rahim. اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نوكا ديفو ميالا أدام دين دفالين تدي أيا كاريماركو لريمارك أيا توشي كونتاكتي ولا فرير دودو Wala ou besi ka ne rekontakti. Chogo mena ko besi ka ke konye na maye. Kata nye fe. Inshallah an dafalinte. Menge niye nyumaya li ka anla seya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le serviteur de la communauté. Imam Suleiman Konaté.